à Velingara. Je ne veux pas me répéter ou répéter le maire de Sarikoli et le président du conseil départemental. C'est pour vous dire que aujourd'hui c'est un grand jour. C'est quelque chose qui était attendu, ce plan d'urgence. Et je me réjouis que ce plan est défendu et en train de préparer par vous-même. Non seulement le porte-parole du gouvernement, mais aussi par rapport aux résultats que vous avez obtenus au niveau de Kermassa sur les générales. L'ensemble des plans, et tout récemment aussi il y a le développement de Dakar Plate, du département de Dakar, c'est pour vous dire tout simplement, c'est une chance pour nous de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui et de parler de ce plan d'urgence qui prendra en compte les préoccupations des différents, dans différents domaines du département de Velingara, mais aussi son exécution. Monsieur le ministre, au-delà des acquis, dans le cadre des transferts de ressources envers les collectivités territoriales que vous avez défendues, que vous avez gagné avec de hautes luttes, parce que ça n'a pas été facile en tant que ministre, mais aussi je suis un témoin en tant que parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale qui préside une commission qui, ensemble, nous gérons ces questions de budget. Vous avez beaucoup fait pour les collectivités territoriales. Je voudrais ouvrir une parenthèse avant de venir sur les problèmes de Velingara, dont je ne serai pas long sur ces... parce qu'on aura le temps dans les débats de poser le problème de développement de Velingara, du département de Velingara à travers ces événements. Tout récemment, nous avons voté une loi à l'Assemblée nationale qui, parce que le président de la République, contrairement à ce que les gens pensent, il est en train de faire des réformes majeures pour l'avenir de ce pays. C'est dans ce cadre qu'il a consacré 90% des ressources tirées du pétrole et du gaz qui vont être affectées à l'investissement. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que ces 10%, les 10% de cette enveloppe, que nous puissions vraiment mettre ces 10%-là pour la réalisation des infrastructures pour le compte des collectivités territoriales. Il est extrêmement important de préciser parce que ce sont ces genres d'allocations qui permettront aux collectivités territoriales d'accélérer la mise à niveau du retard, de combler le retard pour respecter l'équité territoriale prônée par le président de la République. Et ce sont des milliards, parce que quand on prend le fonds la génération future, c'est 14 000 milliards sur les 30 ans. Mais l'autre doit tourner, si vous demandez les services du ministère des Finances, peut-être autour de, en tout cas, ça dépassera les 300-400 milliards par an. 500 000. Si nous avons une bonne partie part de cette manne financière pour la réalisation des infrastructures, comme que c'est la volonté du président de la République, ça permettra encore de changer le visage des collectivités territoriales. Mais le département de Velingara, monsieur le ministre, c'est un département, comme l'a dit le président, carrefour. Il y a eu des acquis, mais beaucoup reste à faire. Nous avons visité avec vous tout à l'heure le centre de santé. Et quel que soit, nous saluons les efforts, la réponse rapide du président de la République par rapport à ce centre de santé. Mais il faut le gérer de façon structurée parce qu'il nous faut un hôpital. Et nous comptons que ce que nous souhaitons dans ce plan que nous allons élaborer, que ça figure au premier point, la réalisation vraiment de l'hôpital de Velingara de niveau vraiment acceptable compte tenu de la position géographique et que Velingara a 45% de la population de la région de Kolda. Le désenclavement, on a vu ce qui s'est passé ailleurs, ici il y a eu des efforts. Heureusement que la route Biaro, Menapakane, doit être goudronnée. Tout récemment, on a interpellé le directeur de la Géroute. Le contrat est signé.